Les troupes françaises et maliennes tentent de reprendre le contrôle de Gao, le bastion des rebelles islamistes. Après avoir pris position dans l'aéroport de la ville, les soldats continuent à progresser vers le nord. Ils doivent à présent faire face à des actes de guérilla, des insurgés, mêlés à la population civile en plein cœur de la ville. Une population qui a déjà beaucoup souffert de l'occupation des islamistes et des récents combats. Les réfugiés de Gao, Tombouctou et d'autres régions du nord se retrouvent notamment ici à Sévaré. Les plus jeunes peuvent pour certains aller à l'école et apprendre, avec l'aide de Handicap International, à reconnaître les mines. Ne jouez pas avec les engins explosifs de guerre. Un groupe islamiste affirme de son côté vouloir négocier la libération d'un otage français.